Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est lundi, le lundi c'est unboxing avec la boutique DP Club. Alors aujourd'hui, hop, trois petits DIY diamond painting. On va commencer par le premier. Alors, on a un petit toolkit comme d'habitude. On va avoir ça, ce sont des aimants, mais ils sont pas assez forts, je trouve. Donc moi, je remets des aimants à moi. On va avoir des strass que je vais vous montrer après, et on a un hamburger. Voilà, c'est un aimant à frigo. On avait déjà fait plusieurs aimants comme ça. On a le, alors attendez, je regarde sur mon frigo, on a le cornet de frites, le hot dog et la canette, ouais je crois, ouais c'est la canette de soda. Et donc maintenant on a le hamburger, voilà. Alors, ouais ils sont grands, hein, vous voyez, mais ils sont chouettes quand ils sont finis. Alors, bien sûr, vous avez une pellicule de plastique, hop, sur le dessus pour protéger la colle. Ça colle super bien. Est-ce que là, il y a une pellicule derrière? Alors, des fois, je ne me rappelle plus. Attendez. Non, je crois que là, il y en a. Ah, si, il y en a une. Hop. Alors, voilà. Vous avez une autre pellicule derrière, voilà, qu'il faudra retirer quand vous aurez terminé. C'est pour le rendre plus transparent. Il n'y a pas de colle là. Donc, vous retirez la pellicule et c'est tout. Alors, niveau strass. Alors, vous avez vu, on voit bien la tomate, le fromage. On a l'oignon ici, la salade, la viande, le pain, voilà. On voit bien tout. Et là en haut, ce serait des petites tranches de cornichons, je pense. Ou des... Alors, oh, j'ai encore plein de poils. Oh. Et voilà. Alors, on va avoir. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Des demi-perles. Elles sont un peu holographiques. Des étoiles. Voilà, des petites étoiles. Des yeux de chat. Des demi-perles noires. Voilà, des strass violets. Les jaunes, les verts, des verts plus clairs, des rouges, des marrons, oui. Là, c'est entre le orange et le marron. Et là, bon, on va dire que c'est des jaunes. Enfin, pas tout à fait jaunes, mais voilà. Donc... ce petit aimant à frigo, il est au prix de 3,99 $. Je vous remets les prix en euros, bien sûr, sur l'écran. Alors, je remets bien tout de suite dans l'enveloppe pour ne pas mélanger. Et je marque dessus ce que c'est. Ça, c'est pour Chouchou. Voilà. Hop. Ensuite, on va avoir une décoration à poser.
Voilà. Alors, petit outil, comme d'habitude. Un petit support pied. Alors, il faudra retirer, je vous montre tout de suite, il faudra retirer de chaque côté, il y a une protection comme ça. Donc, il faudra le retirer de chaque côté pour rendre, je vous montre, pour rendre le pied transparent. Voyez, voilà. On va avoir des strass et on va avoir un joli petit toutou. Voilà, il est trop beau. Avec une petite machine à coudre. Voilà, elle ressemble aux anciennes machines à coudre hein, qui commencent par un S, qui finit par un R. donc, voilà. Il va être tout mignon, ce petit toutou. Alors, au niveau des strass, bon, si je trouve le bout, oui. Allez, ah, voilà. On va avoir des demi-perles dorées, des demi-blanches, des autres blanches mais un petit peu plus grosses, des yeux de chat rose, des strass, voilà les différentes couleurs de strass, rose, turquoise. Et hop, pardon, voilà. Donc, ce petit toutou, il est au prix de 7,99 $. Voilà. On va tout remettre tout de suite dans le petit sachet. Voilà. Pour ne rien perdre. C'est surtout pour pas mélanger puisque c'est tous les trois des DIY. Voilà. Et le dernier. Désolée pour le bruit. Hein. Donc, petit toolkit, comme d'habitude. Le pied, donc je vous ai expliqué, il faudra enlever la pellicule des deux côtés. Des strass. Et un autre petit toutou. Regardez-moi ça, comment il est choupinou. Oh, il est trop beau. Trop choupinou. Avec ses petites lunettes, on dirait Elton John. Elton John en toutou. Il est trop beau. Il dirait un petit pacha. Chouette. Alors pareil, hein, vous avez une pellicule de protection sur le devant pour ce qui est collé. Et il faudra retirer la pellicule au dos pour que vous ayez une bonne transparence de votre objet. Voilà. Surtout ces objets là faut pas oublier de les vernir après. Alors moi je fais au vernis colle Cléopâtre. Je prends du mat, le vernis colle Cléopâtre, et donc c'est blanc comme colle, mais en séchant ça devient transparent. Voilà, donc petit toutou. Et au niveau des strass,
Voilà. Alors, ah, là, est-ce que je vais savoir bien vous les montrer? Oh, ça m'étonnerait. Non, j'arrive pas bien à vous les montrer, mais c'est comme si c'était un diamant, vous savez. Il y a une petite étoile dessus et ça fait comme un diamant. Là, des demi-perles transparentes, des gouttes d'eau transparentes, des yeux de chat roses, des bleus, des strass bleus, des bleus transparents, des roses, encore des roses, des jaunes et un autre jaune. Voilà. Donc, ce petit toutou est également au prix de 7,99 $. Voilà. Je voulais remercier la boutique DP Club pour me laisser la possibilité de choisir des articles dans leur boutique. Je vous remercie tous également d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des commentaires, des questions, des remarques gentilles à dire, ben, n'hésitez pas, laissez-moi tout ça en commentaire. Et moi, en attendant, je vais vous faire plein de gros bisous. N'oubliez pas les petits pouces et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.